Je suis Lucas Auboin et donc je suis doctorant au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier. Ma thèse s'inscrit dans un projet qui s'appelle Ecolagrie, qui s'intéresse aux traits fonctionnels des abeilles sauvages dans l'agriculture. Alors pour en dire plus sur ce qu'est un trait, un trait c'est un, une caractéristique écologique, comportementale, morphologique ou autre, euh, propre à un individu et par extension à l'espèce, et qui va conditionner le rapport entre l'individu abeille et son environnement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut regrouper, on peut faire des groupes d'abeilles en fonction de ça. Plutôt que de parler d'espèces euh, le, une par une, on va parler de groupes d'espèces qui partagent des traits, qui ne sont pas forcément liés à l'espèce même, mais euh, les grosses poilues, celles qui volent loin, les grosses poilues et qui nichent dans le sol. Tu vois, des groupes comme ça. Et faire le lien entre ces groupes-là et les cultures qu'elles visitent. Voilà, pour, pour pouvoir mieux décrire qui pollinise quoi et à quoi ressemblent les espèces qui pollinisent dans l'agriculture. Cette thèse s'organise en différentes étapes. Euh, la première est de dresser une base de données sur les traits fonctionnels de ces abeilles sauvages en France. Voilà Sans le côté agricole pour, dans un premier temps, juste pour pouvoir dire que... Euh, Telle espèce fait cette taille, niche dans ce type d'habitat, a tel régime alimentaire et par exemple vole à telle distance. Voilà. Donc on a toutes ces informations pour toutes les espèces d'abeilles françaises. C'est mon premier travail. Dans une deuxième étape, je vais me pencher sur la mise en place d'une autre base de données qui visera à lister les espèces d'abeilles sauvages rencontrées dans les cultures en France. Pour savoir au final qui pollinise quoi. Ça, on ne le sait pas aujourd'hui. Donc, ce sera donc, la seconde étape. Pour ensuite croiser ces deux bases de données, pour savoir par exemple euh, les espèces d'abeilles qui pollinisent la lavande est-ce qu'on va plus avoir de, plutôt avoir des grosses abeilles poilues ou des petites abeilles pas poilues Ou est-ce qu'on va plutôt avoir des, des abeilles qui volent très loin ou des abeilles qui nichent dans le sol, par exemple Voilà. Et dans une dernière étape, on croisera ces informations. Avec l'emploi de pesticides dans ces cultures pour voir quels types de traits fonctionnels sont exposés à l'emploi de pesticides dans les cultures. Il y a deux protocoles dans le projet Fitabe qui m'intéressent particulièrement dans le cadre de ces recherches-là. C'est le, proto le protocole numéro 4, euh, celui qui vise à analyser des résidus de pesticides dans le nectar des fleurs, dans, les, dans le nectar des fleurs des cultures. Ça, ça me permettrait d'identifier, de savoir quel type de molécules je vais avoir dans quel euh, culture, mais surtout ce qui m'intéresse le plus, c'est le protocole numéro 5, celui qui consiste en euh, aller récupérer des abeilles dans les cultures des établissements scolaires euh, pour aller identifier euh, donc, quelle espèce d'abeille on a dans quelle culture. Voilà. Et En plus, dans, cette, dans ce protocole-là, il est prévu de mesurer la taille de la bête, la distance entre les deux ailes. Euh, et d'autres euh, traits comme ça qui sont propres à ces espèces-là. Et ça, c'est des données qui vont m'intéresser pour euh, constituer mes bases de données. Alors, en réalité, je ne vais pas euh, directement moi-même dans les établissements scolaires, dans les lycées agricoles qui, sont, euh, qui participent au projet Fit'Abeille. Euh, c'est un projet de sciences participatives. Euh, donc, les euh, élèves avec les enseignants vont dans les, euh, dans les cultures euh, des, euh, des établissements pour faire des relevés d'abeilles. Et moi, je je vais leur piquer leurs données tout simplement pour constituer mes masses de données. Et euh, il a été convenu euh, avec euh, la Bergerie nationale et le programme Fitabey que je peux moi-même venir dans les établissements, pour accompagner sur la mise en place des protocoles, prendre en main les différents outils qui, peuvent faire, qui permettent d'identifier les abeilles. Donc par exemple, l'outil ID My Bees, c'est une clé d'identification un peu interactive qui a été mise en place, qui permet d'identifier les abeilles jusqu'au genre. Et voilà, de, de, de prendre en main ces outils-là pour pouvoir aussi appréhender la diversité en, en, en abeilles. Certes, il y a un enjeu scientifique avec les données, mais il y a un gros enjeu pédagogique. Et se rendre compte de la diversité de pollinisateurs, c'est déjà un, un grand pas.